Bonjour, Président Marseille. Bonjour, Ndeko journaliste. Président Marseille, je suis porte nom de la Congolais télévision. Je suis un peu plus scotché, branché, Rolanda, je suis un peu plus de la politique de la République démocratique du Congo. Avant de côté, je suis un peu plus de la Marseille. Bonne santé. Oui, santé, ça va très bien. Nous sommes tous à la grâce. Nous sommes toujours là. Santé, ça va. Merci beaucoup, Santé Zaï, madame, mon amour. Nous allons plus vraiment bref dans l'émission de la Moukoualelo. L'isolé, ce qui a résisté beaucoup de tensions sur loi Nouetchani, où il résistait la tension et bébé. Tout ce que mon amour, qui a fait un beau soir, c'est que Manuel a fait sur loi dans le bilan. Mon amour, il y a un peu de temps, il faut que la moto soit bien. Mais tout le monde, il a résisté la tension et bébé. Mimi se plombe à Riba, dans la confession rédigée, et dans la tension internationale, mon amour. Pourquoi pas ce soit cette loi-là, mon amour, pour nous apaiser la tension, mon amour. Vous avez écouté pour Kaboué, dans la République, mon amour, à Marseille. Merci beaucoup pour la question. Nous avons tout droit au but. À ce qui concerne la loi Noël Tchani, loi où les Congolais ont été de père et de mère, c'est une loi où il est pour protéger la souveraineté, l'intégrité nationale. Vous savez que Mboka na biso tous les victimes y a complicité internationale, complot, tellement le complot a été très grand contre la République démocratique du Congo. Le loyo loi Noël Tchani est pour sauver Mboka, loi wana est pour démanteler réseau y a ba comploteurs ba oba ibana ko se comploter contre Mboka na biso oyebi Mboka na biso tous les Mboka oyo tous les menacer na ba forme ya agression. Il y a des gens. Si le plan économique, si le plan militaire, si le plan territorial, donc nous sommes très menacés compte tenu de la potentialité en Bokanabiso. Alors, nous devons protéger notre pays. Ce sont des Congolais, les vrais Congolais qui doivent défendre Luana. Tellement que Bissou est vrai Congolais. Est-ce qu'il y a des vrais Congolais et des faux Congolais? Oui. Naroye Bissou, que non, Mwangachu, c'est un faux Congolais. Mais on a vu ça dans le Bumbashi. Parce que tu n'as pas respect parce que tu vivras en Aon à Katamor, la République démocratique du Congo. Aza Congo, Mais Moïse Katumbi. Mais je vous dis, c'est un faux Congolais. Mais Azali, Azali Congolais naturalisé. Azali Congolais 100%. C'est un naturalisé. C'est un naturalisé, frère Nenan. KTB. Mais KTB, je suis. Il est 100% congolais. Oui, il est mais je vous demande, donc, est-ce que congolais fait Katoto 100% mon amboka Marseille Katoto Azali 100% congolais? Non. Loi Tchani est une loi où ba congolais. Ba congolais de père et de mère, ba congolais de souche né toujours défendre yango. Et le quoi la totalité majorité pliée na mboka na biso, cette loi ça va passer. Loi Wana et Koleka. Moi, je demande même au niveau de l'Assemblée nationale, pas le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso. Il est grand temps d'accélérer Loi Wana. Le peuple est basé sur la Loi Wana. Le jour où Loi Wana est débattue, beaucoup de démonstration à peuple congolais pour se démontrer que non, basé derrière Loi Wana. Et cette loi-là, tant que vous votez, parce que tu es bien. Biso peuple, tout le monde va député national pour que nous ça la loi au sécurisé Mboka. Pour que nous proposer la loi au Mboka Oyo et que nous de l'avant. Genre, il y a la loi Noël Tchani, ils ont une loi au pour protéger Mboka. Complot, ils ont ma casse contre Mboka dans Biso. Le nom de Moni, il y a un masque qui est tombé. Communauté internationale, il y a un défilé d'ambassadeurs, défilé de diplomates. Bazako défilé, même ma chef de l'État, ma ancien chef de l'État, Bazako Kita a en Congo, quand tu as président de la République, pression, katapo na loi Tchani. Même le, je vous dis, dans la seule révélation, le loi a commis que c'est la même, tout ça là dans la compensation. Entre, bah on bâtit, bah y'a bisika gamma tika, quoi agresser RDC, bisous aussi la loi Tchani, tout ce qu'on a mon chouchou. Bah, mais. Complot, je vous dis, mais il y a un complot contre Mboka na biso, et ça a été tellement grand, et Dieu merci, le loyo, ma comploteur, ma se démasqué, Mboka na biso, ma lème, avec les trois chefs de l'État. N'a soutien au peuple, parce que soutenir une loi Noël Tchani, Mboka Oyo, donc, vous allez
souverain et moi autre chose. Deuxième indépendance. Maintenant, et comme indépendance, il y a que défendre territoire Mboganabiso. Il y a que défendre sous-sol Mboganabiso. Intégrité territoriale. Mais c'est ça la dernière. Comment on appelle ça indépendance Mais qu'est-ce qui cache derrière Luachani? Mais ça, c'est cache, ce sont des impérialistes, ce sont des sécessionnistes. Oh, bah, il y a un bon abisso pour pas diviser un bon abisso. Bah, on est basé complotant. C'est que se cache, les alliés Maramoto Mona à l'Est, le lot Kadam a bimé pour ça. Vous savez que notre guerre à l'Est a changé forme. Kadam a bimé sur le sous-sous. Bah, ma camou sous-sous, oh, y a mané qu'au bomba. C'est ça. Les alliés sous soi-disant de la pratique, nous allons à la communauté Tutsiland, toute communauté de Manyamulenge. Nenge bango ba mesango le bakino ba baza ko se défendre parce que awa na Congo de lingi bango te nenge ba lobaka wana mais le mona et comme maintenant Kagan mazo reclamer ma belé azo reclamer ma belé mais depuis Kagan ma sali ba déclaration wana la communauté internationale déclaration bonzani Bush be mokonza mboka senga ki na communauté internationale devant tribunal des Nations Unies à Sengi ba sanction contre le régime à Kigali. Tilelo. Quelles sont les sanctions au communauté nationale à regard de ya Paul Kagame? Aucune. Allez-y, comprenez. Il y a un autre nom. À chaque fois, nous sommes dans l'équipe internationale, soutenons avec nous qu'on lève, nous sommes sous complot international. Nous devons nous prendre en charge, nous-mêmes, les Congolais. Sous complot international, Mikuli Tsoué de Kaawa, discours vraiment dans le monde africain, président Paul Kagame, est resté battant Joe Bélé. Apprendre à Bissou sur la géographie, Moussou, qu'ils sont en train de réclamer, Mabélé n'a pas encore la 4 République démocratique du Congo. Mais en tout cas, c'est bon nom de Paul Kagame. Géographie est changée, ton dégaine, Malambouka. Je ne sais pas si c'est bon nom là. Histoire est changée, ton dégaine, Malambouka. Je ne sais pas si c'est bon nom de Paul Kagame. Azala qui ivré a dit na serre ya kwit ya masanga mais ce monsieur là a ligne azo ko mizwanani mais nous devons mettre fin à Paul Kagame. Moi je demande même à président de la République, nous sommes un grand pays moko le mukiro que Rwanda malgré bazali soutenu par l'Occident bakoko sera na misoté. Sauf que le chef d'État a décidé que non, tout ça la guerre, fin rouge, contre le Rwanda. Rwanda continue malgré soutien international, Occident. Parce que aujourd'hui, Chine a beaucoup pour le pour le Rwanda. Ici, on va tout pays à Moyen-Orient, on va même muter. En tout cas, sauf que le chef d'État a décidé que non, le loto défend le mot qu'on a mis. D'une manière vraiment. Très rigoureuse, de te frapper Rwanda. Mais c'est bonhomme de Paul Kagame, on a refait un mandat. Tu as tout mis en paix d'État. Tu as besoin même Rwanda, un sicko, oh, ils ont réclamé ma belle le couta. Tu as juste sicko Rwanda dans son intégralité. Tu as comme ici en haut une partie à RDC. Tout c'est toi. Rwanda Kagame avec le blague, ils ne sont pas jusqu'à ce niveau. Besson de RDC. Tous ma belle na Rwanda parce que par une partie il y a Lac Albert Rwanda bango bazaki Lac bango bazana na une partie à Lac Albert mais to conséda to tikela bango yango ataba kiseni to ndima yango to anke ça que no bazo yango to ndimi to tikela bango partie à Lac Albert na 1810 tango ba allemand réclamer auprès de ma Belge à Bruxelles que tu peux Rwanda une partie à Lac Albert, une partie à ma Belé. C'était en 1910. Mais tu te concédas, tu nimi, tu peux savoir ma Belé. Sauf que Kagame a besoin de l'histoire. A qui est auprès de l'Allemand, a qui est consulté l'histoire. A tenu qu'on a na Belgique, a tenu qu'on consulte histoire.
Et donc, il y a n'importe quoi au niveau de Bénin. Il y a même une histoire. Il y a une histoire, c'est regrettable pour un président qui se prétend que non comme, comme un grand en Afrique. Mais il y a une même histoire, il y a une frontière, il y a beaucoup d'années, il y a une histoire. Il y a un moment où il y a 5 ans même, il y a un responsable de la chaîne de la télévision, le col à Bino Negro Zaliao. Bon, qu'on se rappelle, moi, journée, mon cobo. On a une histoire historique du Congo. On a une histoire du Congo. Pour la génération future, il y a une histoire. On a toute une émission pour une histoire du Congo. Surtout que si le pays est géographique. On a une histoire du Congo. Tout ça, le territoire, tout ça, et ça, partage ça, les voisins. C'est très important, monsieur le journaliste. Mais quand on dit que Paul Kagame est en train de réclamer les terres dans le Congo, à l'époque, le discours avait dit que Azur Koulanda FDLR, il y a c'est comme il dit sous non, Azur protégé. Communauté moko baza minoritaire mais comme baza ko changer ma revendication parce que Paul Kagame a compris à comprendre que non M23 avec logique au chef de l'État a tient ses terrains M23 d'ici là tout au bout c'est M23 alors il faut à créer des sous-sous ma comme mon sous-sous au maintenant et qu'on peut ça y est le cola n'ingi ça il a quoi agresser RDC parce que avec logique au le biwana alors qu'on a FDLR, la communauté minoritaire, Balingi Bangote, dans un protégé Bango, tout. Et c'est Sili. Et c'est mon ami noir, c'est blanc, ma revendication, tout ce qui est le Kouta. Politique au chef d'État qui sur le terrain et mettre déjà fin à ma bloc. Maintenant, à créer la couleur dans ma réclamation, il y a Mouzoba pour nous agresser. Mais tout ça, tu es en garde. Que Congo, on a fait ce temps de Sekedi. Avec le gouvernement sans le code de ma présence de Jean-Pierre Mbemba. Kagame soka sazarde, soka mikosani, toko si l'isaye physiquement, pe Rwanda wana, toko connexion de la République du Congo. Merci beaucoup, je profite directement, nous avons eu le temps comme il y a VPM Jean-Pierre Mbemba, le ministre de la Défense. Je suis comme on appelle moi, contradiction, contre Banani, moi. Moi, sur le palais diplomatique de Salema, en République du Congo, il y a l'ambassadeur, il y a Dengue, il y a Chinyaya, il y a Nanaya. Normalement, il y a quelqu'un qui est accueilli, normalement, et pas le ministre de la PPM, il y a j'ai compris votre question. Bemba, trop visité par Bemba, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je comprends les questions de la journaliste. Donc, aux Angolobaké, ambassadeur d'un dernier temps ambassadeur ma corps diplomatique ma comme défilé dans le ministère de la défense au lieu que d'affaires étrangères mais c'est clair parce que dans le bagage la fois passée à voir ba Congo ba y Congo mani pour comprendre pourquoi choix au mokozambo kasali na ministre de la défense actuel Jean-Pierre Mbemba ba tout mingi ba neko yima azongi si Jean-Pierre Mbemba aux affaires mais na yebi sangi ba yiko mona na tanoike oya yo ke ezali choix moko ya malamu boko comprendre mo dans les prochains jours maintenant si ko ba to ko comprendre pourquoi ba ambassadeur ba to ko défier pas Jean-Pierre Mbemba parce que Jean-Pierre Mbemba avec le chef d'état ba zali na plan moko pona ko délibérer Congo pona ko libérer Congo définitivement contre ba agression au surtout au monde de part et d'autre. Aux gens qui ont été en métier national, ils ont été armés Kagame pour nous guerre contre RDC pour nous faire des minéraux à l'abissau. Nous devons mettre fin à Yango. Et parmi les terres, c'est le premier plan, Jean-Pierre Mbazali. C'est pour ça que nous avons défilé. Parce qu'ils ont joué double RG. Pardon, ils ont joué double rôle. Et tant que ministre de la Défense, il est aussi parmi les conseillers privés à Mokozamboka. Dans les prochains jours, vous comprenez pourquoi le rôle
ministre de la Défense à toi, Jean-Pierre Mazorsal. Mais depuis qu'il est à la tête de la Défense, il y a des avancées ce côté Défense. Ben oui, il y a des avancées. Mais malgré tout, on a trois mois communs dans le pays. Mais il y a des avancées. Dernièrement, ambassadeur turc, avec au monde, le ministre de la Défense, pour la Goye Bissaye, et Sengé Tosana Lombangu, pour accélérer la coopération militaire entre Mboka et Turquie dans la République du Congo. Parce que, dans le pays, il y a des gens qui ont monté l'usine de la fabrication de Mindouki. Ah, on a quatre RDC. Avec la coopération avec Turquie. Donc, avancer les alliés tellement significatif dans les prochains jours, vous allez comprendre le rôle de l'Oyo, chef d'État, qui choisit le président, l'actuel ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, dans la tête du ministère de la Défense. Merci beaucoup, Mme Mboka Marseille. Nous sommes éclairés par Mboka. Nous sommes concernés par les diplomatiques de la République du Congo. Et nous sommes bien côté du ministère de la Défense. Tout qui est écouté, ma pronomi 2023, et tout ce que j'ai quelques mois à voir, Baïmoka, qui est aux États-Unis d'Amérique, parce que vous avez mis dans ma pronomi à 4 et à République du Congo, est-ce que pourquoi parce que vous avez toujours dans ma pronomi à Bissou et où ça m'a 2023? Pourquoi les États-Unis? Nous sommes un pays souverain. Tout ça, souverain. Chef de l'État a rappelé qu'il y a toujours vivre la souveraineté dans Bissou. Voilà, c'est pour ça. Et Sengeli t'a imposé à nos communautés internationales, nous sommes souverains. Chef de l'État a rappelé qu'il y a un président français Macron. Tant que le président français Loba qui m'a en élection. Mon cousin a rappelé qu'il y a Toboï Badita, Toboï Makambouana. Nous sommes souverains et élections, ils ont dit pour les Congolais. Sengeli est en train de se préparer pour la remémoration de l'élection. Toboï. Parce que République, parce que nous les Africains, totalement membres des États-Unis, totalement membres de la France. Et nous devons mettre fin à l'homme de la Maramona, Bisso africain. Il y a même des gens qui félicitent sur mon cousin Mboka. Nous avons une date le 6 février. En même temps, nous avons commémoré notre héros national, Simon Kimbango. Mais nous avons une journée à conscience africaine. Bisso africain, c'est que nous avons conscience. Pourquoi tu, niveau occident, on a un ministre au Atali Makamu, il y a Afrique, ministre des Affaires étrangères, pour assez concerné Afrique, ministre Boye. Non, nous ne sommes pas de sous-hommes. Il ne faut pas respecter Bisso. C'est pour ça que mon cousin Mboka Senga qui est le président français. Et Sengé va respecter Bisso. Et Sengé va battre l'Afrique dans Bisso, alors que l'Afrique était dans Kala. Et Sengé va battre l'Afrique maintenant dans Bisso que non. Nous, les Africains, nous sommes maintenant des responsables. Et surtout, je suis président, mon responsable, surtout, à la République du Congo. Donc, Babylon, le Nyéwa, tout ça, c'est un peu. Élection, c'est ça, les mains. Élection, c'est la constitution congolaise, les Ezako, qui interpelle Bisso. Élection, c'est la transparente. Ce n'est pas eux qui rappellent Bisso. Ce n'est pas eux qui nous ont fait vécu, Yango. Bisso mort dans ma structure, il a Bisso haut tout ça pour veiller sur que nos élections soient là transparentes et surtout nous, moi, étant que membre du DPS, et tiens tu sais que dans le bac Bisso, c'est le DPS qui va organiser les bonnes élections en République du Congo, donc organiser élections qui tombent, élections qui sont malades. Vous êtes sûr que Félix Tshisekedi va organiser des élections? Mais c'est l'IDPS qui va organiser les vraies élections. Non, ça, c'est la promesse historique. C'est la promesse historique. La promesse, c'est ça la promesse historique. Oyo, notre grand maître, le père de la démocratie congolaise, a prometté à notre peuple congolais. Telle élection, en 2023, on comprend l'élection. On comprend l'élection, le jour et la nuit. Avec les sénateurs de poids, Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, il faut résoudre nos problèmes de nationalité. Mais pour le guerre, c'est déjà passé. Ma challengeur, Bazalik, ce n'est pas dans Moïse Katumbi. Bah, Oyo, est-ce que Ndekoloko là, c'est ça? Il y a des gens qui ont dit que c'est ça, dans la candidat. Non, parce que c'est ça, tu as vu papa, tu as vu maman. Tu as vu papa, tu as vu maman. Dans le groupe, tu as vu papa, tu as vu papa, tu as vu maman. Challenger, c'est ça. D'autres candidats vont se prononcer.
Pourquoi il n'y a pas Moïse Katoumbi? Mais pourquoi vous aussi vous avez peur de Moïse Katoumbi? Biso toi pour protéger mon cannabis parce que tu as besoin de longer Moïse Katoumbi le gars dans les métiers à reparticiper l'élection. Bah comment plus de 10 millions de Congolais vont couper. Dans l'année dernièrement documenté mon Alain Foucault mon ligne à nos journalistes et à Sali. Si situation c'est que se passe à l'est de la République. Alors ben je vois le gars au téléphone le gars Mac phone bah bimisaka. Plus de 2,8 milliards de dollars par an pour la consommer à colbate en provenance de la République démocratique du Congo. Pour passer à ma téléphone à Bango. Si 2,886 milliards wana, mon cannabis au Congo, République démocratique du Congo, ton bénéficiaire à 800 millions de dollars. Le reste, on est Kenaka, dans le Rwanda, il y a un monde qui est dans le Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, nous avons repris à Paul Kagame. Nanye colbate na coltan 70% ya colbate oyo Kagame lolo aza ko teke lango ba smartphone aza ko teke lango tous les nanye entreprise je surtout ça ba téléphone te rosale là c'est Kagame c'est mon tu ne pèse ça 70% donc comment tu vas perdre plus de 2 milliards de dollars les autres qui ne na ba ni na Rwanda les autres qui n'est pas ba mon chouchou. Mais on limite la protection pour la société, on a loi Moko, on vend sa pouvoir, la loi Moko pour protéger l'intégrité territoriale à cause de Moïse Katoumbi. Non! Comme on l'a dit, nous avons beaucoup souffert dans Moko, et nous devons mettre fin. Merci beaucoup, maintenant, dans Moko Marseille, nous allons mettre fin à ma barbarie. Voilà. Tout le monde a discuté, Pardon? Vu de Kinshasa. Oui. Aux Amoutou, si on aura la ville de Kinshasa 24 heures sur 24 heures, est-ce que la ville est bien gérée ou bien la ville est mal gérée? En tout cas, à ce qui concerne la ville professeur Kinshasa, si on a l'objet, tout ça est-il plutôt comparé, voilà. Si on a comparé ma gestion. Oyo, les cas qui n'ont vu la Kinshasa, non, Oyo, moi je pense que nos gestions sont malades par rapport à la gestion de l'Ekaki. Ah! Oui, je pense que les gestions sont malades. Parce que la gestion, Oyo, tout le monde, ma salaire, sur Banzela, pèse Banzela, ça l'a quitté. Je pense que l'exemple est lingué ça. Je pense que l'exemple est dans le niveau de l'Emba. Dans le niveau de l'Emba, il y a. Foire. Il y a foire. Et ça, Banzela, Oyo, tout l'éthique qui existait. Je pense que nous, les grands acteurs dans la ville de Kinshasa, ils allaient éclairer. Oui, le défi est allé où l'actuel gouverneur, il faut à relever. Mais surtout tout ça, la mort, tout comparé, la gestion et les kaki, c'est mieux Ngobila que la gestion et les kaki. C'est la veille Ngobila en train de gérer la ville convenablement. Non, avant que j'ai malam par rapport à Ndeko les kaki. Je ne pas convenablement parce que le défi est ébélé. Vu la Kinshasa, ils allaient là. Mais ça, il faut ça m'a ébélé. Tellement vu les coups qui m'ont cassé, ils ont aussi mis ça là. Et Ngobila m'a croqué. Ngobila, Asala, Oya, Osala. Ne veut pas que Ngobila. Asala, Oya, Osala, sous vision chef de l'État. Il faut, avec l'actuel chef de l'État, vu la Kinshasa, et Kubongara. Avec l'actuel chef de l'État, parce qu'il y a une vision, il y a un développement, il y a Congo. Donc, Bato va accompagner le gouverneur de la ville. Bande fait ce qu'il a le pouvoir. Malembe, tu vas nous remonter à moi, bon voilà. Le phénomène qu'on a des Nakata Kinshasa, ils s'empirent les sous Makasi, qu'on a, ils ont des sous au top. Nakata, bien sûr. Oui, en gros, ils ont même pas une cheval de bataille à actuel VP intérieur. Lors il y a discours, on a eu à prise à fonctionner en bas qui en haut. Donc, à phénomène qu'on a comme cheval de bataille, donc. Est-ce que vous avez idée peut-être ajouter sur ça, peut-être des propositions pour éviter l'hémorragie? Oui, ma proposition est d'aller de l'intérieur, pour tout ça, il y a ma proposition. Tout le monde avait actuel commandant de la ville de Kinshasa, tout ça, il y a ma proposition. Il y avait des propositions, tout ça, qui ne sont pas les Kassongo, mais il y a quoi quitter. Tout ça, ma proposition, à qui le doit, parce que vous avez dévoilé en côté, parce que vous avez eu le tando, ma prédateur, ma Koyoka, ma Koyoka, ma Neni, Yako. Qu'on nous connaît ni, bah qui est autrement. Il y a anticipé. Il y a anticipé, voilà.
Donc, même on a un canot Oyo, dans qui de droit pour nous proposer. Ça veut dire proposer une meilleure Isalie. Oui, bah proposer Isalie. Et ça en raté. Bah proposer parce que nous devons vivre dans quatre populations. Nous devons vivre dans un quartier où bah couille ça maman casse. Nous devons vivre dans un bango boyé. Mais nous avons une proposition Oyo de ça la casse la casse la pour nous remettre fin à bloquer. Mais vous êtes conscient que la base des couvents c'est le chômage des ouvriers. Bah couille maman. La proposition Isalie tout ça là yango. Chômage ou un bandit depuis 1990. Tant que kaka va piller je bandaki nembo ko bani ko kufa. Donc ils ali conséquence et mauvaise gestion il y a régime il y a 32 ans. Donc chômage bani le loté. Mais to vivant ni kulu na ngoboyete. O ye makasi boy. To yebi ndenge nini ba mongo sali maka. Na zebi sali noir. Ba mongo chuchu bazala ba za mako bebele. Na yebi sio. Ba mongo chuchu bazala ne kona ko sayote. Mboka oyo ce qui m'a causé mon cadre qui m'ouvre avec au kanga, au bomba, au ça ni mais battre belle tout ça bon sujet. Mon cadre mon cadre secret et belle pour la boka au ya moni. Il y a des gens aussi tout le monde bango bande de journaux mais tout le monde bango bande de côte tout le monde lui en a montré mais bango mais ce sont des traîtres et des traîtres. Et ça des bas traîtres. Na royer mais ça non. Quatre ils sont IDPS. Tout ça pour soi disant président AI. Na quatre ya Il y a manoir, manoir, il y a mon chouchou. Autre, il y a une mallette, il y a coffre-fort, mon chouchou. Comme il y a un président, il me souvient, il y a un bimikouna. A touché mon bon à mon chouchou. Donc, il y a un complot avec même les Congolais. Avec même les Congolais, à cause de Mbogo, ils ont trahi Mboka. Ils ont comploté pour que Mboka soit génoué. Mais avec le chef de l'État actuel, on a disposition surtout aux gens qui sont sur le terrain, tout ça pour démanteler le réseau et Mboka soit libéré et qu'on soit Congolais, un vrai Congolais. Merci beaucoup, Mme Mboka Marcel. Nous sommes à la fin de notre à traiter d'aujourd'hui. Message à Soukani, que vous connaissez bien votre partenaire, dans la Congolais télévision. Message à Soukani, toujours qu'on encourage la force armée, la mission au bas en front. Balé Mbate, Baboune la Mboka, Bakata qui s'est l'écran à Bango, pour nous défendre le Congo. Bakonti, qu'on défendre le Congo, et l'actuel ministre de la Défense, avec le chef d'état-major, Bakobunda Ponapo mettre fin définitivement dans Bakamozi le Canada Est. Bango Baza toujours en action et gouvernement accompagné Bango. Penakosinga dans Bakongolais surtout tout soutenir Loi Tchani. Loi Tchani tout soutenir Yango. La remercier président Mboso Nenge à l'objet que non. Loi Wana Moutokobo Yango il faut la doki. Oui, il faut la doki à son nom. Parce que tout le monde na Mboka Oyo. Makamwa ndenge na ndenge to vivwa a ona mboka oyo chef d'état major ya Rwanda pe République du Congo to vivwa mutata ministre na Rwanda ali ministre République du Congo to vivwa makamwa ndenge na ndenge et senge to sevemo na miso cette loi et pour nous sevemo na miso nous devons soutenir cette loi là ba ndeko nyo surtout bazana posa ko zoa mwana mboka Marcel Mwema ko zoa na plus de 143 89, 88, 54, 533. Merci beaucoup, Namboka Marseille. Ouais. Gardez nos remerciements.